Dans quelle ville est né le joueur à ta gauche? Quelle est la capitale de la Suisse? YouTube, c'est Zazrou pour une vidéo aujourd'hui les gars, très gros concept. Le but aujourd'hui c'est quoi? C'est de se faire tirer dessus au paintball. Aujourd'hui je remercie beaucoup le paintball d'Avignon sur l'île de la Barthelonnasse qui nous a invité aujourd'hui pour pouvoir faire cette vidéo. Je te remercie beaucoup. Merci. À toi. Merci. Toutes les informations du site seront sur le dans la description. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez faire une partie entre amis. Aujourd'hui il y a deux concepts. Le patron du paintball nous a autorisé de faire une première vidéo pour commencer avec les petits marqueurs, avec des petites billes. Et ensuite on passera sur du gros avec des grosses billes. Gros calibre. Le but est pas de se faire mal, il faut vraiment se protéger. La première règle, la plus importante, c'est d'avoir un masque pour jouer. Ok les gars, du coup n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes sur la description. Merci beaucoup les gars, on approche bientôt les 600 000 abonnés. Merci beaucoup, abonnez-vous aussi à nos réseaux sociaux dans la description. Pour le concept de la vidéo est très simple, Idrissia ici présent derrière la caméra. Aujourd'hui tu vas faire un truc exceptionnel, tu vas nous tirer dessus. Pour vous expliquer le concept de la vidéo, on va se rendre sur le terrain du paintball qui est juste là-bas. À 3 les gars, on va changer de tenue. 1, 2, 3. Ouais, wow, les gars, wow, on est où là? Ça vient, on descend le terrain? Ouais, je sais pas. Ouf, les gars, c'est simple, le concept, mais ça va l'expliquer comme d'habitude. Est-ce que t'es prêt? 1, 2, 3, go! Go! Alors le concept est très simple, il y a 5 piquets au sol. Cinq. Avec 5 personnes, nous sommes tous les 5 debout dessus. On a simplement un masque de sécurité qui est obligatoire. Idrissia aura un fusil de paintball qui sera sur une cible là-bas. Elle devra nous tirer dessus et Olivia qui est accompagnée d'elle devra nous poser des questions. Si on a juste, on gagne des accessoires pour nous protéger. Si on a oui, pour, oui, oui. On est mort. On y va les gars, est-ce que vous êtes prêts? On place la caméra. Olivia, est-ce que tu es prête pour les questions? Yes. T'es sûr? Ouais. Merci pour les réponses. On y va? Allez, 2, 3, go! Bon les gars, là du coup avec Olivier on a préparé énormément de questions à poser. On va les poser en fait à chacun. On va lui poser une question, faut qu'il y réponde correctement ou alors il va se faire rafaler de balles. Et du coup le dernier qui va rester en ligne donc sur ses poteaux debout correctement, il va gagner 1000 balles à la fin de cette vidéo, c'est juste énorme. Quel est l'homme le plus riche du monde? Franchement je sais pas mais au pif je vais dire Bill Gates. Non. Bon du coup l'homme le plus riche du monde c'est Jeff Bezos. Je sais absolument pas comment on dit et c'est le patron de Amazon. Ah c'est mon oncle. Ah ouais. Bon courage Jeff. Merci. Bon sauvé. Maintenant. Bon chance. Du coup, j'espère que je vais réussir à tirer les gars. Du coup ah putain. Ah c'est lui c'est pas moi. Ah. Oh, oh, c'est bien vu. Regarde. C'était une grimace putain. Oh mon dieu. T'as eu mal ou pas? Je saigne bleu, gros. T'as eu mal ou pas? Montre là, montre là. T'as eu mal ou pas? Ouais, oh. Franchement, de ouf là. C'est vrai? Dans l'épaule, ça va. Premier attentat. Dans l'épaule, ça va. Dans l'épaule, ça va. Et il est pas tombé. Il est pas tombé. Ah. Félicitations, Dylan. Allez, on continue. La vie, je sais trop bien tirer. Je suis trop fière. On passe à la prochaine question qui est pour Raph. C'est bien ça? Ok. Raph, combien fait 8 x 12? T'as 3 secondes. 1. T'as 10 secondes. 2. 383. Loupé. Oh 96. Laisse-moi. Attends. Est-ce que je vais bien viser? Vas-y. Tu l'as prise. En plein cœur. Oh mon dieu. Félicitations, il est resté en vie les gars. Il est pas tombé. Après ça passe à deux coups après. Non par contre là on commence par une balle de chauffe. Je après sais, elle rafale. Elle rafale. Après elle rafale. Les gars je crois que vous êtes pas prêts de la vie. Je vise trop bien. Dis-moi la question. Quelle est la capitale de la Suisse? Oh merde. Oh. Vite. Genève. C'est ça. C'est ça. Oh, oh, C'était 27. Alors qu'à la base c'est 28 mais il y a un pays qui est parti. Attends. On l'encourage les gars. Sam. Rafale. Oh putain, il a pris plein de têtes. Oh mon dieu. Montre. J'ai tiré dans la tête. Oh, je l'ai en direct. Attends, bonus. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tiré dans la tête. Oui. Félicitations. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait c'est que la capitale de la Suisse c'est Berne. Aïe, la honte. Ok, on vient d'apprendre quelque chose. La capitale de la Suisse n'est absolument pas Genève, c'est Berne.
Donc, qui sait qui va se prendre une balle dans le coup. Donc pour le coup, allez, mon chat. Je veux plus jouer, frère. Donc quand même, comme c'était pas une preuve éliminatoire, il a le droit de revenir. Non. Je suis avec toi. Oh, j'ai fait. Allez, ça, j'ai perdu. Non, c'était pas une preuve éliminatoire. Oh, j'ai perdu. Oh là mon dieu. Oh là, t'es une tapette. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Bonne chance à vous les gars. Moi, bonne chance. Je vous dis juste un truc. J'arrête. Ça va être chaud. Je vous dis juste un truc. C'est que là on est dans la merde, l'idée il est mort, je sais qu'il va vouloir tirer. Ok les gars, j'ai vraiment pris cher, je vous montrerai après. Mais le truc, ce qu'il faut savoir aussi qu'on n'a pas précisé, s'ils répondent à une bonne question, ils ont droit à un gilet pare-balles ou des accessoires pour vous, se protéger en plus de la combinaison. Ok les gars, ouais. Ok. Mauno ? Mauno ? Oui ? Oui ? Mets ton masque ! Oui, mets ton masque ! On sait jamais. Ça veut dire que la question va être dure ça. Qu'est-ce que ça fait si on mélange du bleu et du jaune ensemble? Moi je sais. Du vert. Yes. Ah. Tu gagnes quelque chose. On peut l'applaudir, Allez, j'ai une facile. Il gagne quoi? Il m'a surpris. Est-ce qu'il gagne une bille? Ah. Il gagne un gilet pare-balles. Ok, Mauno, répondre à une bonne question, j'emporte un gilet pare-balles. Oh mon dieu. Il a le sien déjà le roux. Mais c'est pas parce que t'as un gilet pare-balles que je vais pas te viser dans les jambes. Pas ça. Quoi? J'ai dit, c'est pas parce que t'as un gilet pare-balles que je vais pas te viser dans les jambes. Ah mais c'est, je suis jeune là. Ah donne-moi une question. Attends, facile. Okay. Bon du coup Mauno il a eu son gilet pare-balles, il doit être trop content à cette heure-ci. Mais là du coup c'est une question pour Dylan. Dylan, est-ce que tu es prêt? Ouais, malheureusement ouais. Quel est le joueur de foot le plus suivi d'Instagram? Dis pas. Ah j'ai pas entendu. Je vais dire l'idée, il est trop fort au foot. En fait, elle vient de se rafaler en fait. Ah, mais je sais pas, je suis non, pas. Non, arrête, on a tout là. Tu t'en viens, je te casse. Attention de ménage, Drissa, tu rafales. Non, Dylan. Cassez-vous. Mais bon, je vais bien, les gars. Ça va? Les gars, pas rentrer. Encouragez-le. Bien joué, putain. Parce que j'en fais autant, c'est ce que vous allez avoir. T'as souffert, non? Ouais. Est-ce que je peux descendre de mon piquet pour le remercier? Non. D'accord. Dans quelle ville est né le joueur à ta gauche? Moi je sais, c'est mon cousin. Dites rien. Moi je sais. Il est né Non. C'est plus le dernier qui reste, les gars. Gadagne. Regarde. Oh mais ça vit la mer, ça fait mal. Lui qui disait qu'il allait pas avoir mal, il nous a trompé le mec. Prochaine question pour Max. Qui nous a représenté à l'Eurovision? C'est qui? Je te laisse dans ta merde. Lou Ruya là. C'est Lou Ruya. Pourquoi tu me tires, putain? C'est Bilal Hassani. Ça va aller, ma chérie, ça va aller. Mon cul, putain! Ouais! Mais le lien! Bravo! Ah putain, je me suis trompé avec les Miss. T'es le meilleur! Là, j'ai inversé les Miss et l'Eurovision, putain, quel con! D'ailleurs, en parlant de Miss, prochaine question, Mauno. Attends, s'il vous plaît, je peux avoir 2 minutes de répit là, s'il vous plaît, pour mon anus. Mauno, prochaine question par rapport aux Miss. Comment s'appelle notre nouvelle Miss France? Elle s'appelle. Je sais pas. Louria. Attends, j'ai reçu une vraie balle. C'est pas vrai. Elle s'appelle Clémence Bottini, je sais pas quoi. Bottino, merde. J'ai un trou dans le corps, gros. Ça va? J'ai un trou dans le corps. Ok, it's good. Mais ça change, non? Bon, suivant. Prochaine question. Ouais. Tu t'arrêtes. Tirez pas sur le milieu. Quelles sont les couleurs du drapeau de l'Italie? C'est facile. Ah oui, c'est vert, blanc, orange.
C'est rouge. C'est rouge. Rouge. Putain, mais il est rouge. Mais attends, qui savait pas les couleurs du drapeau d'Italie? C'est la honte, là. Nick Sam, oui, est-ce que tu préfères les maths ou est-ce que tu préfères une question sur la vie? Une question sur la vie. Très bien. Combien de personnes vivent en France? Tu as une marge de 3 millions. C'est dur. 9 millions. Non, 16 millions. Non, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. Oh, oh putain. Non, attendez, attendez. On va poser la dernière question, savoir s'il peut être vainqueur ou pas. Ah oui. Là, il faut la dernière question, savoir si Mauno peut être vainqueur de cette partie. Oh, j'ai reçu une balle. J'ai reçu une balle perdue. Attends. Elle vient d'où, gros? La vie, c'est pas moi. J'ai reçu une balle perdue. Il y a un tireur dans l'arme. Il est où? Mauno. Arrêtez de marcher du bruit. Combien font 13 x 4? Vite, 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 vite. Ça fait... Vite. Vite. 52. Félicitations. Il a gagné. Voilà ou non? Vous m'en voulez pas? Non, ça va. Non, c'est gentil, en vrai. Non, c'est gentil. On passe à Olivia et Idrissa maintenant, à toutes les deux sur le pilier. Ah oui, on a deux fils sur le pilier. Oula, les deux fils sur le pilier. Bah, à 50 000 pouces bleus. C'est ah oui, c'est les filles qui sont sous le. Ah oui, c'est oh oui, ouais, c'est pas mal. Si, on prend toute la copine, les gars. Mets la barre, mets la barre. On ne veut pas. À 50 000 pouces bleus, on prend les filles. Le retour avec les filles. Avec les filles, les gars. Les filles sur la barre. Sur le poteau. Sur le poteau. Et voilà, YouTube, ça fait cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, nous, on s'est fait rafaler. On a kiffé. Pas trop mal, ça va? Ouais, non, ça va. Ça va. Ok, Mauno, le vainqueur. Félicitations. Félicitations. Merci à Idrissa de nous avoir tiré dessus, c'était super. Ouais, non, rien. N'hésitez pas à vous abonner à tous ceux qui sont là dans la description, super important. Bientôt les 5000 abonnés, je répète. Merci aux ceux qui nous ont loué le terrain aujourd'hui sur le paintball d'Avignon, le Ludo Bartolas. Toutes les informations seront dans la description. Je compte vraiment sur vous, les gars. Si vous voulez faire un tour avec votre famille, avec vos amis, un anniversaire, ce que vous voulez, ça mérite. C'est sympa. C'est super bien. Là, vous en montrez. C'est hyper beau en plus. Merci, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est hyper beau en plus. C'est bien coloré. Sur un terrain, il y a plusieurs terrains. Vous avez même le lancer de hache que vous pouvez faire entre famille ou entre amis, comme d'habitude, les gars. Enfin, les gars, il y a même des étoiles chinoises souvent. Vous pouvez tous vous mettre des hachettes comme ça. Là. Et tout le monde. Ciao tout le monde. Peace.